Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va en concours avec Yuzia en CSO au Hara de Rosières-en-Salines. Donc, faut savoir que moi, je suis née dans le 54 et j'ai toujours pas été visiter ce Hara, qui est quand même l'un des plus connus de France. Hein. C'est un Hara national. Donc, on va vous emmener avec nous et ensuite, on ira au ranch nourrir les retraités. On verra selon le temps qu'il fait, parce que là, tout à l'heure, il y avait un peu de neige. Si on doit les brosser ou faire autre chose, vous serez avec nous. Hier, on a paré à Pâche et vous allez voir qu'il s'est transformé en petit lapin avec ses grandes oreilles et maintenant il a une mini queue parce que vous savez qu'il avait eu un souci avec sa queue et je pensais qu'on allait devoir la raser. Donc, vous imaginez bien un cheval avec un couard rasé, c'est un peu bizarre. Du coup, j'attendais une autre solution et j'ai bien fait, on a réussi. Enfin, j'ai dû le couper quand même, mais il lui reste des poils sur le couard et j'ai réussi à enlever toutes les boules qui restaient. Je pensais pas pouvoir y arriver, mais j'ai réussi à tout enlever, donc il a quand même une belle queue dégagée. Mais une petite queue de lapin avec des grandes oreilles, hein, ça fait de lui un gros lapin. En plus en ce moment, bah là ils ont un gros poil de nounours, ça fait vraiment la gros lapin en bouche. Bon allez c'est parti, on va arroser Rosaline. On arrive au Hara. Non, je sais pas si c'est l'entrée principale, mais nous on rentre par là. On va chercher la carrière où se déroule le concours. C'est tellement grand. On a trouvé Yuzia au vin. Donc là, il passe que dans 25-30 minutes, donc il y a encore le temps. Le voilà au paddock, il s'échauffe. On est confiant parce qu'en ce moment, il est tellement top niveau mental. Allez, du coup, Leslie, si tu es prête, il faut venir car je n'ai plus personne à la porte. Donc, il me faudrait laisser. Il est plutôt posé, hein, on l'avait vu dans les dernières séances, qu'il était quand même plus détendu que d'habitude, un peu moins chaud. Donc, il devrait être plus concentré et ouais, en ce moment, je le sens super bien. Allez, c'est parti pour son tour. Bon, c'était franchement plutôt pas mal pour une reprise, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti en concours. Maintenant, on va se retrouver au ranch. Voilà, voilà, voilà la petite nouveauté. Derrière, on va remettre la porte. On va remettre la petite pancarte qu'il y avait avant. Toujours les petites presses. Vous êtes prêts à voir sa mini queue de lapin? Voilà.
Ses grandes oreilles et son mini queue. Bon, aujourd'hui au menu, banane carotte. Il y en a une qui attend. Alors les chevaux, c'est vraiment leur dernier jour au ranch. On est mardi et ils partent samedi en vin. Donc j'essaie de ramener tout à la maison, préparer le box à la maison. Et puis je vais nettoyer les box. Les box ici sont propres, c'est juste dans l'abri qui salisse. Donc je vais aller nettoyer l'abri et puis préparer le box à la maison. Alors voilà, il va vous montrer sa mini queue. Vous avez vu ça. C'est bon. Bon, ta mini queue. Nous voilà arrivés au parc à la maison. On va aller préparer le box. Je passe un coup de balai pour assembler les copeaux. Et j'ai ramené un porte-pierre à sel. Je vais leur mettre une petite pierre Himalaya et puis ils ont un autre seau dehors avec une pierre à minéraux. Donc voilà, l'autre côté du parc. Ça sent le printemps, c'est bien vert. Ici au moins ils auront un peu de quoi à grignoter en plus du foin, surtout pour les mettre. La pêche, lui, il a que ses sauts préalpins et donc là, il aura de quoi passer son temps à grignoter tout ça. Au moins, ça repoussera bien. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.